Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine. Nous entamons la deuxième semaine de ce mois de novembre. Nous sommes lundi 13 novembre 2023. Comment allez-vous? Bien j'espère, et j'espère que vous avez passé un joli week-end. On continue avec la Vision Quest Tarot. Et nous terminerons par l'oracle de l'évolution. Mais avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif le plus fort et celui que je nourris le plus. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé le père de feu. C'est la force, n'est-ce pas? Et vu que nous voyons sur le dessin un arc et une flèche, eh bien, ça représente le niveau énergétique, n'est-ce pas, comme le feu, hein, c'est très, très énergétique, le feu. Le père de feu, alors qu'est-ce qu'on peut dire, l'essence de cette carte? C'est la force, évidemment, d'action. Ça peut être aussi l'impatience et c'est une action parfois trop rapide et irréfléchie. L'essence est aussi la volonté, l'intensité, le travail de pionnier, l'aspiration à la liberté. Le message intérieur, eh bien, pour certains d'entre vous, on vous invite à suivre votre vision intérieure en restant fidèle, en restant fidèle à la voix de votre cœur. Et oui, soyez fidèle à ce que votre cœur vous dicte. Laissez votre esprit parler à travers, eh bien, pourquoi pas vos actions. Acceptez, n'est-ce pas, le risque d'être, pourquoi pas vous-même. C'est important d'être soi-même. Alors, malgré toutes les faiblesses humaines, eh bien, vous pouvez reconnaître avec gratitude vos capacités innées et enthousiasmer d'autres personnes et à les inspirer à des choses nouvelles. Oui, suivez votre petite voix intérieure. Le message extérieur, eh bien, encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Il est temps d'agir. Pour certains d'entre vous, il est temps d'agir. Votre feu intérieur, eh bien, recherche une sorte de nouvelle force d'expression créative. Et pour d'autres, vous souhaitez dépasser vos limites et ainsi trouver dans l'inconnu un nouveau sens à votre vie. Toutefois, veillez à ce que vos actions ne soient pas uniquement déterminées par de l'enthousiasme fulminant, mais aussi par l'intégrité de l'ouverture spirituelle qui est très importante. Très beau message hein, pour commencer cette semaine. Nous terminons avec l'oracle de l'évolution et j'ai pigé. Pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. Est-ce que vous le savez de ne pas aller trop vite? Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose.
Eh bien, la réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Et le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. Ne soyez pas trop impatient. Et c'est vrai que chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Il n'est peut-être pas le moment, n'est-ce pas, opportun pour vous. Donc, on vous demande un peu de patience. Et comme vous le savez, que je le répète souvent, là-haut, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de date. N'allez pas trop vite. N'essayez pas d'aller plus vite qu'il ne faut, parce que ça pourrait bien que vous vous plantiez. Donc voilà, allez, c'est une distorsion l'impatience, donc on va rectifier cette distorsion et attendez, n'y pensez plus dans ce que vous pensez, n'y pensez plus, c'est, vous savez, cette carte de l'oracle de l'évolution, ça me fait penser à lorsqu'on veut avoir un enfant. Eh bien, on y pense, et puis il n'y a rien qui vient. Et le jour où on n'y pense plus, boum, ça y est, on est enceinte. C'est lorsqu'on n'y pense plus que les choses arrivent. Allez, je termine. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.